bienvenue à ce quatrième colloque de l'Appel de Paris qui célèbre aujourd'hui ses 10 ans d'existence. En préambule, permettez-moi de vous rappeler les 3 articles clés de cet appel. Un appel signé en 2004, donc il y a 10 ans, par de très nombreuses personnalités scientifiques dans le monde, l'ensemble des conseils de l'ordre des médecins des 25 États membres de l'Union européenne de l'époque, 1500 ONG et 350 000 citoyens européens. Can you, if you make the translation, if it's possible? Professor Bellpom is welcoming everybody, ladies and gentlemen. He's just said that the Appel of Paris has been signed by 25 countries belonging to the European Union on 3 key articles which were concerning the chemical pollutions. Okay. Article number one, article premier, la plupart des maladies sont causées par la pollution chimique. Article numéro 2. En raison de cette pollution, l'enfance est en danger. Article 3. Si nous continuons à polluer l'environnement comme nous le faisons, c'est l'espèce humaine elle-même qui se met en danger. So, article number 1. Most of the diseases are caused by chemical pollutions. Article number 2. Because of this pollution, the children are in danger. And article number 3, if we keep on polluting the environment as we're doing, it's the human species itself which is in danger. 10 ans se sont écoulés. L'heure est au bilan. En positif, certainement une contribution décisive à la mise sur pied du projet européen de règlement REACH, qui, comme vous le savez, a instauré des mesures de régulation pour la mise sur le marché des produits chimiques. Et je dois rappeler qu'à cette époque, en raison de cet appel de Paris, j'ai été nominé par la Commission européenne pour représenter les chercheurs et médecins européens lors de l'introduction au Parlement européen du projet de règlement REACH. Certainement aussi, en France, la promulgation de la Charte de l'environnement de 2004 sous la forme de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 qui lui est relative. Vas-y, peut-être. In France, this appeal has also undoubtedly contributed to the promulgation of the Environmental Charter of 2004 in the form of the constitutional law of the 1st of March 2005. Certainement aussi une réorientation des recherches médicales dans le domaine de l'environnement, en Europe et un peu partout dans le monde. C'est ce qui a pu être constaté en particulier en France avec le revirement spectaculaire de l'INSERM, l'Institut National de Santé, qui maintenant s'attache à prouver les liens entre cancer et environnement. It has also redirected medical research in the field of environment in Europe and in different places across the world. This has been quite noticeable in France, in particular with the spectacular turnaround of INSERM, French Institute on Medicine, that now focuses on demonstrating the links between cancer and the environment. Alors de même, une contribution à la prise de conscience par la société civile des dangers de la pollution et de la nécessité de protéger la nature. Mais il demeure malheureusement des points négatifs. So finally, it has contributed to raising civil society's awareness as regards the dangers of pollution and the need to protect nature. Unfortunately, many highly detrimental downsides remain. L'absence de politique cohérente en matière d'environnement et de santé publique, avec notamment la non-prise en considération de la dimension environnementale dans l'émergence des maladies et affections de notre époque. Je continue. L'absence de prévention environnementale qui en résulte. Une situation sanitaire qui, malgré les analyses et recommandations de l'OMS, se dégrade partout dans le monde, avec notamment la progression fulgurante de l'incidence des cancers, du diabète de type 2, de l'obésité, de la maladie d'Alzheimer, des affections psychiatriques qui constituent autant de fléaux de santé publique planétaire. Et chez l'enfant, la progression des malformations congénitales et de l'autisme. Aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, c'est un enfant sur 80 qui naît autiste.
du jamais vu. So, in the detrimental downsides, we have the absence of coherent policy in terms of environment and public health, and notably the fact that the environmental issue is not addressed. We also have the absence of environmental prevention which results from it. A health situation which, despite WHO's analysis and recommendations, is degrading all over the world, notably the striking rise of the incidence of cancers, type 2 diabetes, obesities, Alzheimer's disease, psychiatric affections. And today, there is also an increase of these diseases in children, in congenital malformation and autism. Today, in so-called developed countries, one child out of 100 is autistic. À cela s'ajoute la persistance dans le monde d'infections telles que le paludisme et la tuberculose que nous pensions à tort pouvoir juguler grâce aux progrès médicaux lors de la création de l'OMS en 1948, et la survenue d'infections virales tout à fait nouvelles, telles que le sida ou encore l'épidémie d'Ebola, des infections qui sont là pour nous rappeler que le viol perpétré à l'encontre de la nature se paye par une facture humaine, que les progrès de la médecine ont leurs propres limites et que la prévention demeure l'unique moyen d'éviter de tels fléaux de santé publique. So we should add the persistence in the world of infections such as paludism, tuberculosis, which has had been strongly said to be stemmed thanks to medical advances during the creation of WHO in 1948, and the onset of entirely new viral infections such as AIDS or else the Ebola epidemic, infections that are here to remind us that the rape of nature comes at human cost. Enfin, le déni de la société face aux données scientifiques actuelles, prouvant sans ambiguïté que la dégradation de l'environnement nuit à notre santé, alors que simultanément, les pollueurs non payeurs continuent de polluer sans limite et que les victimes de la pollution sont en réalité les pollués payeurs. So, to boot, we have this denial of public and political authorities faced with current scientific data proving unequivocally that the degradation of the environment harms our health, whereas polluters don't pay, continue to pollute without restraint, and pollution victims have actually become the polluted payers. C'est donc essentiellement au plan moral et politique que doit se situer notre combat, et il n'est pas anodin de constater que ce quatrième colloque ait lieu dans les locaux de l'UNESCO, dans le pays des droits de l'homme. En vertu des articles 2 et 3 de l'appel de Paris, il apparaît en effet que toute pollution, toute destruction de la nature, parce qu'elles ont pour conséquence la survenue d'une atteinte à la santé, à la flore, à la vie, flore et faune comprises, et à la survie des générations futures, doivent être considérées comme de véritables crimes et donc sanctionnées pénalement. Et ici, sans doute, sans aucun doute, doit-on considérer non seulement le droit des peuples à exister, mais aussi celui de nos frères des animaux. The current fight must thus essentially place itself at the moral and judicial level, and it is not without significance that this fourth Congress is taking place here at UNESCO in the country of human rights. In accordance with articles number 2 and 3 of the Paris Appeal, it is indeed obvious that any pollution, any destruction of nature, because they result in attacks on health, life, and the survival of future generations, must be considered as a crime and is therefore liable to prosecution. Or, les contacts que j'ai pu prendre auprès de la Cour pénale internationale de justice à La Haye et auprès d'un certain nombre de représentants de l'ONU me laissent penser qu'une solution est possible, faisant de la pollution et de la destruction de la nature un crime de santé publique, voire, comme le proposent certains États dans le monde, un véritable crime contre l'humanité, lorsque le crime concerne la survie d'un peuple, cela en vertu du principe d'intégrité des générations futures et donc finalement de la survie de l'espèce humaine. So, in that respect, the contact that I have had with some and other people, in particular with the International Criminal Court, have led me to believe that a solution can be found by considering pollution and the destruction of nature as a public health crime, and even, as suggested by some countries around the world, a genuine crime against humanity,
when the crime involves the survival of a whole people, and this in accordance with the principle of integrity of future generations, and thus the survival of the human race. For the damages caused today impact planet Earth as a whole, and what is at stake here is humanity's fate. Ainsi, ce colloque comportera trois sessions. La première consacrée à dresser l'état des lieux des connaissances scientifiques actuelles. La seconde aux dérives sociétales et politiciennes contemporaines. Et la troisième, qui sera en fait la session clé de ce colloque, sera consacrée aux considérations juridiques visant à mettre le droit en adéquation avec les évolutions sociétales et considérations scientifiques actuelles. This Congress will thus have three sessions. The first one dedicated to taking stock of current scientific knowledge. The second one to contemporary societal and political drifts. And the last one, the key one, to legal consideration aimed at matching the law with current societal evolutions and scientific considerations. Et permettez-moi une parenthèse philosophique. Pour Descartes, un Français, philosophe français, le tout jugement fait appel à la raison morale. C'est comme cela qu'est principalement construit notre droit. Mais j'ai un livre de chevet qui est l'éthique de Baruch Spinoza. Et pour Spinoza, bien juger, c'est d'abord connaître. Connaître la nature, qui pour Spinoza, bien sûr, est déterminée. Il ne peut pas y avoir de bon jugement si on n'a pas la connaissance de la nature. C'est bien le problème aujourd'hui. Faire entrer les lois naturelles, la physique, la chimie, la biologie, la médecine, dans le droit. Car, à la différence des lois naturelles, si les lois sociétales humaines sont modifiables, adaptables à l'homme, à l'évolution de la société, à l'inverse, les lois naturelles ne sont pas modifiables. Elles sont absolument incontournables. Et donc, je dirais que nous sommes ici avec un caractère coercitif de ces lois. Et c'est la raison. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est d'introduire dans le droit, qui doit de toute façon s'adapter, certes à la société, mais aussi aux lois naturelles. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce colloque, il y a des scientifiques, tels que le professeur Montagnier, le professeur Richard Clapp, qui sont ici pour témoigner des percées actuelles, des connaissances scientifiques actuelles, et bien sûr, des juristes. Mais rien ne pourra se faire sans l'apport des ONG qui sont à l'interface entre ce que la science nous dit et ce que la société et la demande des peuples, ce que la société civile réclame. Et donc, si vous voulez, ce qui m'a été clairement dit aussi, c'est que rien ne se fera dans notre combat s'il n'y a pas l'union des ONG en tant que représentants de la société civile. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ces ONG qui sont ici et qui suivent ce combat, je les remercie. Et je tiens aussi, je le dis très franchement, à rendre hommage à François Vayrette, qui le premier m'a mis sur la voie de l'environnement lorsqu'il a publié son ouvrage « Pesticides, le piège se referme ». Ceci a été une innovation, si vous voulez, dans la pensée que nous pouvions avoir face à l'environnement. C'est de traduire ce que tu peux. Yes, I will try. So the professor Bellepom differs from Descartes and follows the statements of Spinoza. And Spinoza, who says sound judgment should come from the following the laws of nature. The laws of man can be changed, can be adapted, but we have to follow the laws of nature. Therefore, this is why there is a union here of scientists, of jurists, but also NGOs, because NGOs are representing the civil society. And the Professor Bellepom hopes the NGOs will be united. And he thanks specifically François Vayrette, who is one of the leaders of one NGO, Génération Future, and who put him on the way to the problem in the environment. In a book, special book. Okay, so, alors, maintenant,
au cours de ce colloque, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord voter, car ceci est important, deux types d'amendements à l'appel de Paris. Un amendement qui va concerner la pollution physique et notamment électromagnétique, qui constitue manifestement un danger lorsqu'il y a un abus d'utilisation des technologies sans fil, mais aussi la pollution microbienne et les infections de type, comme je les ai soulignées, le sida ou type Ebola, maintenant que nous vivons, font partie, bien sûr, des risques qu'encourt l'humanité. Et puis, un amendement très important qui va consister à l'extension de l'appel de Paris au domaine juridique, en indiquant que les pollutions les plus graves causées par l'homme et qui menacent les équilibres écologiques et la santé de l'humanité sont un crime relevant du droit pénal. Autrement dit, le point le plus important, c'est de pénaliser aujourd'hui la pollution et la destruction de la nature. What is proposed here today is to vote two amendments to the appeal of Paris. One concerned the physical pollution, that is EMF pollutions, electromagnetic fields. And the second amendment is an extension also to the appeal of Paris and concerns the fact that we have now to consider this crime against environment as possibly judicialized and to be put to in court of laws. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole au professeur Montagnier et au professeur Richard Clapp qui vont modérer cette première session. Merci.